Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va faire tu perds, tu prends un Jelly Belly. Je suis en compagnie de Nathan. Salut, comment vous allez bien? Et voici les Jelly Belly en question, on en a 20 sortes et je vais tous vous les citer. On a punaise, guimauve grillée, eau de vaisselle sale, gâteau d'anniversaire, œuf pourri, popcorn au beurre, moufette, réglisse, vomi, pêche, nourriture pour chien en conserve, pudding au chocolat. Crotte de nez, poire juteuse, poisson pourri, smoothie banane fraise, chaussettes puantes, tutti frutti, lait avarié et noix de coco. Il y en a certains, ils sont horribles. Mais on verra ça après. Ça dépend des goûts. C'est ça. On va bien voir, ils sont tous Ah non, c'est trop marrant. On coupe. Fail. Je crois qu'il y en a un qui est passé là. Fail. Donc c'est la marque Bean Boozle. Donc c'est Jelly Belly, hein. C'est la marque Jelly Belly. Donc c'est ce qu'on voit dans Harry Potter. Et dragée surprise de Bertie Crochu. C'est ça. Donc le challenge, il va se dérouler sous forme de questions de quiz sur les films. Donc on a choisi la trilogie La Momie. Donc c'est parti. Donc c'est parti pour la première manche. Donc moi je vais choisir les questions impaires, donc 1, 3, 5, et voilà, etc. Et Historia sera sur les questions paires. Donc c'est moi qui commence le premier. Je t'écoute. Allez, c'est parti. Donc, première question. Pourquoi Imhotep enlève-t-il Evelyn? Il veut l'utiliser pour ramener sa bien-aimée. Oh là là, c'est vrai qu'il va falloir le nom, toi. Anxunamun. Il veut l'épouser, il veut provoquer Rick O'Connell. Il veut ramener sa bien-aimée. D'accord. Qui est Ardès Bey? Le roi des Medjay, le chef militaire des Medjay ou un Medjayen? La première, je crois. Le roi des Medjay. Qui est le réalisateur de ce film? Bryan Singer, Stephen Sommer ou Brendan Fraser? C'est Bryan Singer, je crois. Bryan Singer, hop. Qui garde la tombe d'Imhotep? Les Medjay, l'armée O'Connell ou les momies? Les momies. À mon tour. Quelle est la spécialité de Benny? Les armes, la fuite, il tient bien l'alcool. La fuite. Ouais. Pourquoi Imhotep est-il condamné au Hamdai? Parce qu'il est tombé amoureux de Anxunamun, parce qu'il fait de la magie noire ou parce qu'il a tenté de voler le trône du pharaon? La troisième, je crois qu'il a tenté de voler, je suis pas sûr. Voilà. Alors, qu'est-il arrivé au prêtre Imhotep? Ils se sont tous enfuis. Ils ont subi la même malédiction qu'Imhotep. Ils ont été momifiés. Ils ont été momifiés. Ils ont été momifiés. Quel est le métier... Ah pardon, ça sert. Quel est le métier d'Evelyne? Chercheuse de reliques, bibliothécaire ou historienne? Bibliothécaire. Qui a dit... Eh bien moi je trouve qu'il est dégoûtant, grossier et imparfait. Scélérat. Je le trouve abominable. Evelyne, Jonathan, Benny. C'est Evelyne. Dernière question. Sur quelle main Rick O'Connell a-t-il un tatouage? La main gauche, la main droite ou les deux mains? La main gauche, je crois. On va voir les résultats. C'est parti pour les réponses. Oula, 50% de réponses bonnes. Donc 5 sur 10 on a. Donc, première question. C'était bien pour ramener sa bien-aimée, donc un point. Alors, la 2, c'était le chef militaire des Medjay. Donc, un Jelly Belly pour Nathan. Un Jelly Belly pour Nathan, c'est bon.
Donc, la troisième réponse, le réalisateur, c'était Stephen Sommers. Donc, un Jelly Belly pour Historia aussi. Question 4. Donc, qui garde la tombe d'Imhotep? C'était les Magi. Donc, un deuxième Jelly Belly pour moi. Ça tombe mal. Donc, cinquième question, c'était bon. La sixième question, pourquoi Imhotep est-il condamné au Homdice? C'est parce qu'il est tombé amoureux de Anxounamoun. Donc un Jelly Belly pour Nathan. Donc, question 7, 8, 9, les questions, elles sont bonnes, donc on est bien. Et la dernière question, sur quelle main Rick O'Connell a-t-il un tatouage? Donc, c'était sur la main droite et non la main gauche. Donc, 4 Jelly Belly pour moi et 1 pour Historia. Je vais souffrir. Donc Je vais maintenant souffrir. c'est l'heure de prendre les Jelly Belly. Ouais, Donc à toi l'honneur. on regarde pas. Oh, bah, de toute façon, on sait même pas ce que c'est. Allez, vas-y. J'ai un blanc. On dirait un tic-tac. Allez, moi j'en prends 4. Oh non, il est jaune. Oh. Bah, c'est les mêmes tous. Tac, attends, j'en ai un identique. Je vais prendre le vert, voilà. Donc. Tac, je vous les montre tout de suite. Voilà. Sont comme ça. Allez, c'est parti. Tu y vas ou j'y vais? En plus, ils sont tous pareils. Ah oui. Ah, ils ont tous bien fermenté dans la même boîte. C'est quoi? Oh non, c'est super bon, c'est popcorn au beurre. Je suis Popcorn au tombée. beurre, ça va, t'es bien tombé. Allez, à mon tour. Donc, je vais commencer par celui-ci, qui me paraît être le pire, à mon avis. J'espère. Allez, vas-y. Et quelle couleur c'est que t'as mangé là? Tu peux faire moins de bruit quand tu Vaisselle manges. sale. Tu peux faire moins de bruit quand tu manges. Oui. Vaisselle sale. Vous allez voir. Il était blanc. Non. Il était quelle couleur? Montre. Je crois que c'était celui-là. Poisson pourri. Poisson pourri. Ah. Et ça reste collé aux dents. Ouais, moi aussi. Pour ça, j'ai gardé mon chewing-gum. Au début, moi, le mien, je croyais que c'était œuf pourri. Et en fait, au fur et à mesure que je mâchais, je sentais le beurre Allez. qu'il y avait dedans. Deuxième. Comme ça, il est. Un peu orange, avec des points rouges. Ça ne sent pas trop. Ah, il est pas mieux que l'autre. C'est vomi. Ouais. Pas bon. La bouteille. Oh la vache. Ah, j'ai failli vomir. Ouais, j'ai vu. Ah, il m'en reste deux. Alors après, Crois que je vais pas c'est... assumer là. Ah, ça sent le vomi en plus. Alors il y a marron et il reste vert. Donc c'est soit crotte de nez, soit porc juteuse, nourriture pour chien en conserve ou pudding au chocolat. Vu comment je suis parti, c'est pas bon. Allez, je prends le verre. Crotte de nez. Il en reste un.
Oh. Mmh. Allez, je prends le dernier. Le marron. C'est quoi le dernier? Marron. Nourriture pour chien en conserve ou pudding au chocolat? Alors? Pudding au chocolat. Ah, le dernier sauve. Genre, surtout ceux que t'as eu, bah, il y en a qu'un qui était bon, Ouais. quoi. Donc, Alex, Nathan a eu vomi, poisson pourri, pudding au chocolat et crotte de nez. Et moi, j'ai eu popcorn au beurre. Pour l'instant, ça va, moi. Ouais. J'ai trop de chance. On verra après. On va pas se moquer pour tout de suite. C'est ça. On va passer au deuxième test. Ouais. Allez, c'est parti pour la manche numéro 2. Donc la momie 2. Première question. Quel est le nom de jeune fille d'Evelyne? Carnahan, Carnahan, avec un C cette fois-ci, et Carnan. Carnahan, le deuxième. Le deuxième, donc avec un C. De quel objet Jonathan ne se sépare-t-il jamais tout au long du film? Un sceptre en or, un énorme diamant ou une statuette en or? Statue, c'est pas une dinde, c'est un spectre, je crois. C'est ce qu'il a au poignet, je crois. Un sceptre. Ah, Il n'y a pas le bracelet, hein. ah non, c'est pas le bracelet. La troisième statue en or. Non, Okay. non, 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 la Trop première. tard. La première, merde, non, la première. Non, trop tard. Quel est le prénom du fils de Rick et Evelyn? William, John ou Alex? Alex. Quel est le surnom que Rick donne à sa femme? Evie, chérie, ou il ne lui en donne pas? Evie. Quel est le cadeau offert à Imhotep lors de sa reconnaissance, Sa de sa renaissance. renaissance. Le bracelet d'Anubis, voir Evelyn se faire brûler vive, Anxounamoun. C'est le bracelet d'Anubis. Par quel moyen de transport Rick et Evelyn partent-ils à la recherche des ravisseurs de leur fils? Un avion, un ballon dirigeable ou un bateau? Un ballon dirigeable. Comment s'appelle le livre qu'il redonne la vie aux morts? Le livre des morts, le livre des vivants, le livre de la vie. Le livre des vivants. Le livre des vivants. Comment Rick tue-t-il le roi scorpion? En lui tranchant la tête, en le brûlant ou en le transperçant avec un javelot? La 3. Comment meurt Anxounamoun à la fin du film? Elle fait une chute mortelle, elle tombe dans un banc de scarabées, elle se suicide. Elle tombe dans un banc de scarabées. Que dit Evelyn à Rick une fois ressuscité lorsqu'ils sont sur le point de s'embrasser? Je t'ai manqué, je t'aime, ou tu veux savoir à quoi ressemble le paradis? La deuxième. Là, je me souviens pas du tout. On va voir les résultats maintenant. Allez. 6 Il y a questions. quatre fautes. 4 fautes. 6 sur Quatre 10. fautes. Savoir lesquelles maintenant? Ouais, bah c'est ça. La réponse 1, elle est Bonne. bonne. Réponse 2, ouais, c'était bien ce que j'avais dit après. Le sceptre en or. Donc, ingérabilité pour moi. La question 3 et 4, elles sont bonnes. La question 5, c'est voir Evelyn se faire brûler vive. Mais attends, Donc. c'est pas beau, c'est pas possible. Enfin, il lui offre aussi le bracelet d'Anubis. Ah, C'est ça. stupide. Quand tu regardes le film, il y a Evelyn Ouais. qui va se faire brûler vive. Ouais. Même toi, tu l'as dit. Mais oui, et après il y a Anxounamoun et ce bracelet d'Anubis. Ils veulent lui offrir le bracelet d'Anubis quand il revient à la vie. Lors de sa renaissance. Oui, il lui offre le bracelet d'Anubis. Bah, le quiz, il est fait comme ça. Hein. Oui, mais les quiz, ils sont pas toujours bons. Donc, ça fait un Jelly Belly. Ne t'étonne pas la question.
Donc la réponse 6, elle est bonne. La réponse 7, donc c'était le livre des morts. Donc pas le livre des vivants. Réponse 8 et 9, elles sont bonnes. Et la réponse 10, c'était tu veux savoir à quoi ressemble le paradis? Ah bon? Donc 2 et 2. D'accord. Ah, 2 et 2, c'est parti. 2 Jelly pour moi, 2 Jelly Belly pour Historia. Donc, moi j'en prends 2. Voilà, ils sont comme ceci. Moi, ils sont roses et verts. Pourquoi tu t'enlèves la boîte? Parce que tu regardes. Mais non. Allez, ouais, je vais commencer cette fois-ci. Je commence par le rose. Le rose, Le quoi? c'est chaussettes puantes. C'est pas bon? Non. C'est ça? Non, bah c'est chaussettes puantes. Et une odeur de vomi qui se balade dans la pièce, c'est hyper Ouais. désagréable. Il faut l'avaler en plus. Allez, avale ta chaussette, qu'on en finisse. Ah. Et le deuxième, le blanc. Ouais, tout blanc. C'est quoi le blanc? C'est On dirait du savon. soit les avariés, soit notre coco. Noix de coco, ça va. Ah, c'est de la chance, noix de coco. Moi, je commence par le vert. Donc c'est soit crotte de nez, soit poire. On va voir. On sent que c'est poire, Poire juteuse. je crois. Ou alors c'est crotte de nez. Je crois que c'est crotte de nez. Crotte de nez. Mais ça va, c'est. Ça va. C'est moins bien que les miens alors. Et après, j'ai rose. Rose un Un peu peu comme le. détacheté. Rose tacheté. Ma rose, il n'y en a qu'un. Ouais. Donc c'est soit tutti frutti ou chaussettes puantes. La vie que je crois que je l'ai eu tout à l'heure, donc tu vas voir l'autre. Non? Ça sent le poisson. T'as ça le poisson? Trouve que c'est des chaussettes puantes. Ah, c'est quoi que j'ai eu tout à l'heure moi? Bah pareil. Toi pas, il y en a un gros Ah. des roses là. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ma zizette? Un intrus. Allez, zou. La momie, la tombe de l'empereur dragon. On va bien rire. Ouais. On va rire parce que le 3, je le connais presque pas. Je l'ai vu une fois vite fait, mais sans plus. Ah ouais? Ouais. Bon, ben on va voir. Allez, c'est parti pour la manche 3. Alors, vas-y. Dans quel pays se situe l'histoire? Chine, Japon, Inde. Chine. En Chine. Qui a lancé la malédiction contre l'empereur et son armée? Lizu, Diwan ou Lin? Alors là, la première, là je dis au pif. Hein. Pourquoi? Car l'empereur avait tué l'homme qu'elle aimait, car l'empereur avait essayé de la tuer, car l'empereur l'avait arnaquée.
Car l'empereur a tué l'homme qu'elle aimait. Qu'a provoqué cette malédiction? Elle les a transformés en statues de terre cuite, elle les a rendus immobiles ou elle les a transformés en momies? Elle les a transformés en statues de terre cuite. De combien de soldats était composée cette armée? 10 000, 2 500 ou 5 000? 10 000. 10 000. Avec qui flirte Alex O'Connell? Diwan, Lynn ou Lizzu? Je dirais Lynn. Qui est l'actrice qui interprète Lynn Evelyn O'Connor? O'Connell, pardon. Maria Bello, Alison Luder ou Jay Eden? Jay? Maria Bello. Maria Bello. Qui est l'acteur qui interprète Alex O'Connell? Roger Wilson, Brendan Fraser ou Luke Ford? Brendan Fraser. Qui a réveillé l'empereur? Evelyn O'Connell, Alex O'Connell ou Rick O'Connell? C'est Evelyn. Evelyn. Ok. Qui a détruit l'empereur? Alex et Rick? Rick et Evelyn ou Alex et Evelyn? Rick et Evelyn. Les réponses. On va voir les réponses. Il y Oh, a cinq 50 points. fautes. Oh là là. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Alors, C'est quoi? Chine, c'était bien ça. Donc, première question, elle est bonne. La deuxième, elle est pas Deuxième, bonne. elle est pas bonne. Donc, C'est c'était Xinyuan. Diwan. Ziwan. Donc, Angeli Belli pour Angie, Nathan. pour moi, ça y est, ça commence. Deuxième question. Troisième question, elle était bonne. Donc, l'empereur a voulu tuer celle qu'elle aimait. Quatrième question, bonne. C'était bien les statues en terre cuite. Cinquième question, donc, c'était pas 10 000, c'était 5 000. Donc, Angeli Belli pour Historia. Sixième question, donc bonne réponse, c'était Lynn. Septième question, bonne aussi, c'était Maria Bello. Huitième question, donc l'acteur de Alex O'Connell, c'était pas Brad. Ah, Alex O'Connell, ah ouais. C'était pas Brendan Fraser, c'était Luke Ford. Donc, deux Angeli Belli pour moi. Neuvième question, qui a réveillé l'empereur? C'était Alex O'Connell. Donc, deux Angeli Belli pour Isola. Et dernière question, qui a détruit l'empereur? C'était Rick et Evelyn. Non, c'était Alex et Rick, pas Rick et Evelyn. Donc, troisième Angeli Belli pour moi. Donc, ça fait trois Angeli Belli pour moi et deux pour Isola. Allez, c'est parti. Hop, voilà. À ton tour. Moi, ils sont comme ça. Moi, c'est, je sais pas pourquoi, toujours rosé vert. On va voir. Allez. Voilà, là j'ai pas envie là. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, commence. Là je sature, j'en ai tellement eu des pourris que. Alors, moi, je vais commencer par le vert. Allez, vas-y. Alors. Le vert. Ah, c'est poire. Poire juteuse, ça va. Et deuxième On dirait du culture. liquide vaisselle. Ah, ça pue. On peut la poire. Ah, ça sent. Ah, ils sont bien aromatisés, hein. C'est bon. Mais quand même pas la poire, ça passe pas. Mais c'est bon. Ça reste meilleur Ça que a une odeur, certains. ça a un goût de. Comme l'odeur du liquide vaisselle. Mais ça sent bon. Mais c'est bizarre d'avoir ça en bouche. D'accord. Enfin, c'est chelou. Bon, après, sinon, j'ai un rose, comme tout à l'heure. Ok, rose comme tout à l'heure, bah. Chaussette puante ou tutti frutti? Alors, quelle impression? Chaussette puante.
Ah, pas de chance. Mais en fait, il y en a qui a que ça. Ouais. Allez, c'est parti à mon tour. Donc moi, j'ai commencé par la couleur noire. Donc, je sais pas ce que ça va être, on va voir. N'y aurait pas poubelle là-dedans? C'est quoi? Moufette. Ouais, je crois que c'est ça. Moufette ou réglisse. C'est pas du réglisse. Oh, ça passe par le nez. Ah, il faut les avaler direct, hein, parce que sinon. Donc du coup, c'était Mouflette. Moufette. Ouais, mouflette. On mettra les noms de ce qu'on a après, de ce qu'on a eu. Allez, il en reste deux. Allez, je prends le marron. Putain, il est fort celui-là. C'est quoi le marron? C'est pudding au chocolat ou nourriture pour chien en conserve. Ça ressemble à de la nourriture pour chien. Ah, je l'ai plein. Je plains les pauvres chiens. Allez, Ah. plus de dynamisme, allez. Ah. Allez, le dernier, le orange. Goût fruité. Ça ressemble plus à quoi? À de la pêche ou à de la banane? Ou fraise? Pêche. Pêche? Bon, bah voilà, t'as une pêche. Ça va, ça rafraîchit la bouche. Bah, on a terminé. On a fait la trilogie. On n'a pas de quatrième. Non, 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 pas de quatrième, pas pour l'instant. Bon, bah voilà. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à refaire ce test avec vos proches. Donc, c'est vous poser des quiz. Nous, on a pris la trilogie. Donc, vous pouvez faire aussi Jurassic Park. Ça peut être pas mal. Vu qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Et nous, ben, on aime tous les deux ça. Ça. Donc, la prochaine fois, peut-être qu'on va faire sur Jurassic Park. Donc, de Jurassic Park à Jurassic World, le dernier. Après, n'importe quoi, d'autres films aussi en eau trouble. Ça, c'est un Ouais, film en qu'on eau aime bien. trouble. Et vous pouvez mettre en gage ben, des Jelly Belly ou des trucs dégueux. Ou alors de, je sais pas, ben, je vais pas dire ça, mais de l'alcool ou un truc pas bon à boire en tout cas. Ça peut être Ou faire des sympa. petits mélanges. Voilà, faire des petits Ah, ça mélanges. serait pas. Il faudrait peut-être qu'on fasse un truc comme ça. Ouais. Des petits mélanges, 3-4 ingrédients et le nombre de fautes, on met tel ingrédient. On va réfléchir. Voilà. Ou un challenge. Tu perds, tu mets un truc dégueu, t'as une bonne réponse, tu mets un truc bon dans ton verre. Ah, pas bête, on va y réfléchir. On va y réfléchir. En tout cas, ce sera pour vous et j'espère que ça vous a plu. Je vous invite vraiment à le refaire ce test. Parce que, du coup, c'est hyper marrant. Des Jelly Belly, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. On est tombé ben, sur plein de trucs dégueux et Surtout certains moi. qui sont bons. Genre comme le popcorn au beurre, bon, c'est un peu chelou comme goût, mais. Mais ça, et la pêche, ça va. Avec tout ce qu'on a, avec tous les goûts que j'ai eu avant, la pêche redonne un coup de frais. Donc ça Ouais. fait du bien. Donc voilà. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre les commentaires pour savoir, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et De un mettre un like. pouce. Et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!